Alors, nous allons voir les nombres mystérieux. Les nombres mystérieux, il y en a deux exceptionnels, le 6 et le 28. Le 28 que vous allez retrouver dans la Kabbale, le 6 que vous allez retrouver dans le bouclier de Salomon, le sceau de Salomon, et en fait, ils nous viennent encore de Pythagore qui avait compris les nombres parfaits ou les nombres amicaux. Les nombres parfaits, ce sont des nombres qui sont divisibles par ceux qui les composent dans une addition. 1 plus 2 plus 3 égale 6, et bien 6 est divisible par 1, par 2 et par 3. En fait, la somme des chiffres qui arrivent à composer un nombre vont ensuite diviser ce nombre, et à ce moment-là, le nombre est dit parfait. 6 est appelé doublement parfait, parce que l'addition et la multiplication de ces diviseurs donnent un nombre égal à lui-même. 1 plus 2 plus 3 égale 6. 1 fois 2 fois 3 égale 6. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube égale 6 au carré égale 36. Et 1 au carré fois 2 au carré fois 3 au carré égale 6 au carré également égale 36. 3 au cube plus 4 au cube plus 5 au cube égale 6 au cube égale 216. Comme 1 au cube fois 2 au cube fois 3 au cube égale 6 au cube égale aussi 216. Entre 0 et 1000, il n'existe que trois nombres parfaits qui sont 6, 28 et 496. 28 est dit parfait parce que la somme de ses diviseurs, 1, 2, 4, 7 et 14, est égale à lui-même. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 égale 28. C'est Euclide qui trouva la façon de générer les nombres parfaits. Et donc ce nombre 6 se retrouve dans la Kabbale pour expliquer la genèse de l'univers. Parce que le premier mot de la Bible, Bereshit, signifie il créa 6, en référence aux 6 jours de la semaine, puisque Dieu se reposa le septième jour, et ce premier mot se compose de 6 lettres. On comprend pourquoi toute la structure du temps hébraïque est fondée ensuite sur l'existence de ce nombre 6. Le monde est créé en 6 jours, puis vient le Shabbat le septième jour, l'esclave travaille 6 années et est libéré la septième année, on peut travailler la terre pendant 6 ans et la septième, la terre se repose. Le monde est créé pour 6000 ans et le septième millénaire sera le temps messianique. La sagesse du nombre 28 vient du fait que le premier verset de la Genèse comporte précisément 28 lettres, soit, comme nous l'avons vu, le deuxième nombre parfait. Nous allons retrouver dans la Torah les 28 ans du monde et nous retrouvons le groupe de versets célèbres de l'Ecclésiaste au chapitre 3 en disant qu'il y a 28 ans dans le monde, le temps pour enfanter, un temps pour planter, un temps pour tuer, un temps pour faire brèche, un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, un temps pour jeter des pierres, un temps pour étreindre, un temps pour chercher, un temps pour garder, un temps pour déchirer, un temps pour chuchoter, un temps pour aimer, un temps pour la guerre, un temps pour mourir, un temps pour déraciner, un temps pour guérir, un temps pour bâtir, un temps pour rire, un temps pour danser, un temps pour ramasser, un temps pour ne pas étreindre, un temps pour perdre, un temps pour jeter, un temps pour coudre, un temps pour parler, un temps pour haïr et un temps pour la paix.